J'ai demandé cette nuit à la préfecture d'obtenir du ministère de l'Intérieur le déploiement de forces mobiles de nature à sécuriser la ville et participer à rassurer les habitants. Le préfet m'a fait connaître il y a un petit moment qu'il a bon espoir que ma demande sera entendue. C'est une exigence absolue. J'ai également demandé à nos services de préparer un arrêté municipal instaurant évidemment provisoirement un couvre-feu pour les mineurs. Je demande aux familles de veiller à ce que leurs enfants ne soient pas dans la rue pendant la nuit. Il conviendra que la police nationale mette en œuvre les moyens de l'application de cet arrêté. Nos services communaux, grâce au concours de l'ensemble des personnels compétents des associations locales spécialisées dans l'accompagnement social, familial et parental, que je remercie très sincèrement, sont en train de mettre en place 2 cellules psychologiques à l'attention des personnes de tous âges souhaitant être accompagnées. J'ai également obtenu des services départementaux de l'éducation nationale qu'une semblable cellule soit activée à l'attention des collégiens de l'établissement où était scolarisé l'adolescent décédé. Je les en remercie. J'ai obtenu de la direction de notre office local de l'habitat que dans les tout prochains jours au plus tard, soit finalisée l'installation des caméras de vidéosurveillance prévues sur les immeubles d'HLM de notre zone de sécurité prioritaire. J'ai par ailleurs réitéré à la préfecture mon exigence que les zones de sécurité prioritaires de notre métropole toulonnaise soient dotées immédiatement d'un dispositif de police de sécurité du quotidien, complété d'un classement en quartier de reconquête républicaine permettant aux circonscriptions de police d'obtenir sans délai des renforts en ressources humaines.